La saison des pluies et la sécurité routière, c'était le thème de la 18e édition de la semaine de la sécurité routière à Béoumi, lancée par la direction régionale du transport de Béké. Vous constatez que la pluie fait beaucoup de dégâts, mais il n'y a pas que les inondations, mais la route aussi est concernée par la pluie. En temps de pluie, vous voyez que les voitures patinent, souvent pour défaut de pneus. Il y a des problèmes de freinage. Souvent, il y a des problèmes de visibilité. Donc, nous demandons aux conducteurs beaucoup de prudence. Quand il y a des averses, ils peuvent même s'arrêter après la pluie, conduire. Le secrétaire général de préfecture de Béoumi, Théophile Djedjé Gogoua, représentant Madame le Préfet, a saisi l'occasion pour sensibiliser la population et les agents des forces de l'ordre à plus de responsabilités. On a invité les forces de défense et sécurité à prendre les responsabilités. Les gens roulent sans casque, sans permis de conduire, n'est-ce pas? C'est à eux, n'est-ce pas, d'attirer l'attention des uns et des autres pour que le respect du code de la route soit effectif. Parce que si on ne réprime pas, les usagers pourront prendre des dispositions pour respecter ce qu'il y a à respecter. L'autorité de régulation du transport intérieur, représentée par M. Diabagaté Mohamed, a invité les usagers de la route au respect strict du code de la route. L'appel est unique, c'est le respect du code de la route. Le respect du code de la route, le respect du code de la route. Le respect permanent du code de la route va nous épargner des pertes en vies humaines. La direction des transports de Béké a effectué pendant 10 jours la sensibilisation à l'endroit des usagers de la route de Béoumi avec l'aide des agents des forces de l'ordre et de sécurité.